Fabriqué en Chine, tu veux dire? Eh oui, mais c'est bien l'international, Céline. On s'en fiche des grenouilles. C'est vrai, les grenouilles. La biodiversité, c'est pas important. Il n'y a pas du tout eu un rapport la semaine dernière qui disait qu'il y avait 1 million d'espèces animales et végétales qui allaient disparaître dans la prochaine décennie. Non, c'est vrai, c'est pas très important. On s'en fiche, on peut bétonner cette zone humide. Bonjour, je suis Fabienne Grébert, j'étais tête de liste des régionales au mois de juin dernier. Et donc je suis élue à la région Auvergne-Rhône-Alpes et je viens d'Annecy pour vous soutenir aujourd'hui dans cette liste. Bravo à tous. Je suis avec mes collègues Maxime Maillard et Alban Collin qui sont aussi issus dans l'Ain. Et je peux vous dire qu'ici dans la région, nous devons tenir bon. Parce que c'est la lutte entre ceux qui pensent que le béton, qui pensent que les grands travaux vont permettre de résoudre le dérèglement climatique, ou en tout cas ils n'en s'en font fi, et ceux qui veulent, comme vous, préserver le vivant. Et le vivant, c'est essentiel pour pérenniser l'humanité sur Terre. Nous avons besoin de nos ressources en eau, nous avons besoin de la biodiversité. Il n'y aura pas d'économie dans un monde où l'eau manque, où la biodiversité est éteinte. Et c'est ça que nous devons défendre aujourd'hui. C'est une autre forme de société, c'est la solidarité que vous incarnez. C'est la mise en place de nouvelles formes de modèles économiques, de commerce de proximité. C'est ça que nous devons sauvegarder à tout prix. Et merci encore de vous mobiliser par ce beau jour de beau temps. Nous avons besoin de tous autour de ça. Déroulé, c'est la pétition avec les 12 000 signatures. Vous avez vu ce que ça représente quand on les imprime? Ça fait une banderole de 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres, 6 mètres de noms de gens qui sont contre ce centre commercial, de gens que l'on n'a pas écoutés. Vous avez vu comme elle est longue? 10 mètres même. Voilà la pétition, monsieur le maire, puisque vous n'avez pas voulu la lire, nous vous l'avons apportée. De très trivial mais de très important, il y a une cagnotte qui va circuler parmi vous et qui va circuler en ligne. Parce qu'il y a des gens qui ont engagé des frais, qui mettent beaucoup d'argent, et il est important de les soutenir. Et puis ce qu'on voulait vous dire aussi, c'était merci parce qu'avoir marché avec vous en ce très beau samedi après-midi, c'est vraiment une belle récompense pour ces semaines de préparation. Alors aujourd'hui, si je regarde autour de moi, je vois des musiciens, je vois des élus suisses, des élus français, je vois des adhérents d'associations, des présidents d'associations, des membres de collectifs, des membres de syndicats, des membres de partis politiques. Je vois l'association Patrie Riposte, la Confédération Paysanne et d'autres et d'autres et d'autres. Je vois des habitants et des habitantes du Pays de Gex de manière générale. Des lycéens, des parents, des voisins, des gens qui sont venus de Annecy, des gens qui sont venus de Lyon, des gens qui sont venus de Suisse, des gens qui sont venus de Ferney-Voltaire. Nous avons tous un point commun, nous sommes tous et toutes concernés par ce qui se passe en bas de chez nous. Nous sommes tous et toutes inquiets par ce que l'avenir nous réserve et nous sommes tous et toutes décidés à agir. Alors dans ce cortège, vous avez peut-être vu défiler un cercueil, un faux cercueil de mascarade. Dans ce cercueil, on enterrait symboliquement le greenwashing de la mairie et du promoteur frais. Mais peut-être que certains d'entre vous se sont demandé si on n'enterrait pas autre chose, si on n'enterrait pas l'espoir. Parce que finalement, soyons honnêtes, on s'est tous demandé, est-ce qu'avec cette manifestation, on va vraiment l'empêcher, ce centre commercial? Soyons honnêtes, on s'est tous demandé, est-ce qu'en venant ici, je vais empêcher ce centre d'être construit? Quel est mon pouvoir? Qu'est-ce que je peux faire en tant que citoyen? Et ça, cette question, je sais que nous nous la posons parfois quotidiennement en entendant les derniers rapports du groupement international d'experts pour le climat ou en regardant nos enfants. Alors j'aimerais quand même dire trois choses. Tout d'abord, en ce qui concerne Open, il y a encore 3 recours judiciaires en cours. Et 2 de ces recours sont possibles grâce au soutien et à la mobilisation des associations, des citoyens et des collectifs. La deuxième chose... Oui, bravo. Bravo parce que franchement, on sait les heures que vous y passez, le temps que vous y passez et l'énergie que vous y mettez. La deuxième chose, c'est que dans le Pays de Gex, il n'y a pas que Open. Il y a le futur centre commercial géant à Ferney-Voltaire. Il y a la décharge de Chauvilly et ses rejets toxiques sans que cela n'interpelle personne. Il y a tant et tant d'autres choses. Et en venant ici aujourd'hui, on n'agit pas seulement pour Open en fait. On passe un message à tous les élus du Pays de Gex.
Et peut-être qu'on n'empêchera pas ce centre, je l'espère, mais peut-être pas, on ne sait pas. Mais en tout cas, on ne sait pas combien d'autres choses on empêche en nous mobilisant et en montrant que nous sommes là. Et enfin, la dernière chose, c'est que nous ne savons pas si nous allons réussir, mais nous sommes quand même venus. Nous avons consacré du temps et nous sommes venus un samedi après-midi pour marcher à côté de gens que nous ne connaissions pas. Et alors, dans ce cercueil, finalement, ce n'est pas l'espoir qu'on enterre, c'est le renoncement. Parce que nous n'avons pas renoncé et nous ne renoncerons pas. Nous ne renoncerons pas à dire que nous valons mieux que ça. Et nous ne renoncerons pas à dire qu'autre chose est possible. Que oui, les magasins, on peut les remettre dans les centres-villes. Que oui, on peut même mettre des transports en commun pour se rendre dans ces magasins. Nos enfants valent mieux que ça, la planète vaut mieux que ça. Nous ne renoncerons pas à dire que non, la modernité, ce n'est pas la destruction ridicule et irréfléchie de la nature. Le progrès, ce n'est pas ça. Le progrès, c'est le développement qui prend soin de l'environnement et qui prend soin de l'humain. Alors on ne renoncera pas et on va continuer. On va continuer à signer des pétitions, on va continuer à interpeller nos élus et on va continuer à s'engager dans des associations. Et des associations, il y en a ici parmi nous et elles ont besoin de nous. Je vais en oublier certaines, donc pardonnez-moi. Mais il y a Poterie Riposte, il y a l'association Cécile Rivram-Chevilly, il y a FNE1, il y a la Confédération Paysanne. Pardon pour toutes celles et tous ceux que j'oublie, mais elles ont besoin de bras, elles ont besoin ne serait-ce que de soutien. Elles font un travail exceptionnel pour nous sur des choses très concrètes et elles obtiennent des résultats très concrets. Il y a Athéna aussi. Ne les oublions pas, aidons-les. Alors oui, nous allons continuer. Et non, cette manifestation n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin du combat contre Open. Ce n'est pas un baroud d'honneur pour se retirer avec dignité devant des bulldozers. C'est une étape. Cette manifestation est une étape dans le monde que nous voulons construire. Et nous allons réussir parce que nous sommes de plus en plus nombreux et nombreuses. Et nous allons réussir parce que nous savons que nous n'avons pas le choix. Alors nous les avons forcés à tendre l'oreille. Le promoteur Frey lui-même est venu à Saint-Genis-Pouilly pour nous convaincre du bien fondé de son centre commercial, ce qui veut dire que nous lui avons fait peur. Nous les forçons à nous écouter. Le mot écologie à présent est devenu absolument indispensable, même quand on construit un centre commercial sur une zone naturelle. Eh bien demain, nous allons les forcer à parler avec nous. Merci. Les chiffres d'affaires des centres commerciaux diminuent structurellement en France d'année en année. Et la transformation de ces boîtes à chaussures géantes en Disneyland de la consommation n'y changera rien. Ce que nous voulons, c'est plus de nature et de biodiversité. Aujourd'hui, il faut voir l'aménagement du territoire d'une autre manière. Pensez coopération plutôt que concurrence. Et tant que ça ne sera pas fait de cette façon, nous sommes et nous resterons des empêcheurs de bétonner en rond.